السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كافة التلاميذ المستوى الرابع ابتدائي. أقدم لكم حصة ممتازة جدا بخصوص هذا الكتاب القيم المهم المفيد ليسيونس أو كوتيديا خاص بالمستوى الرابع ابتدائي. سامع، إذن سوف نتعرف على الجزء الثاني من الدرس كواسونس. إي ألوغ كواسونس شي ليزانيمو. ليزانيمو سون ديزيتر فيفون comme les plantes. Ils mangent de la nourriture et grandissent. Ce sont des êtres vivants. Les êtres vivants peuvent grandir, peuvent aussi se déplacer, etc. Les animaux n'ont pas de points de développement spécifique. Les animaux n'ont pas de point de développement spécifique. Je vais vous expliquer cela. Alors écoutez. Le corps entier des animaux grandit. Vous avez compris? Le corps entier des animaux grandit. Regardez la poule avec ses petits, les poussins. Comme vous voyez, il y a une transformation grandiose entre les poussins et la mère poule. Bien sûr, ces poussins deviennent aussi des mères poules. Mais regardons ici. Hein? Les animaux n'ont pas de point de développement spécifique, c'est-à-dire le corps entier des animaux grandit. Ils continuent de grandir jusqu'à ce qu'ils soient de la taille de ses parents. Voilà. Comme l'exemple des poussins avec leur mère poule. Puis leur croissance s'arrête. Voilà. C'est pas comme nous, les êtres humains. On continue notre croissance jusqu'à la mort. Puis leur croissance s'arrête. Regardez ici. Elle s'arrête ici. La poule s'arrête ici. Alors elle ne grandit pas. Elle reste telle qu'elle. Des animaux sont totalement différents de leurs parents le jour de leur naissance, comme l'exemple de têtard. Regardons ici, il y a des œufs. Alors, il y a têtard de 3 semaines. Regardons ici. Et en comparant avec leur mère grenouille, alors les œufs, voici le têtard de 3 semaines. Que ne ressemble pas à la mère grenouille, était tard de 2 mois, etc. Il va devenir comme adulte. Des animaux sont totalement différents de leurs parents le jour de leur naissance, comme l'exemple de grenouille, comme l'exemple de papillon. Et avant, il était une chenille. Un ver, une chenille. Puis, devient, après un certain temps, un papillon. Ainsi, ils se nourrissent et grandissent. Ils changent de forme jusqu'à ce qu'ils commencent à ressembler à leurs parents, comme l'exemple de grenouille qu'on a déjà expliqué. Certains animaux peuvent faire repousser une partie de leur corps qui a été endommagée ou coupée. Comme l'exemple de reptiles, serpents, caméléons, etc. Lézards, etc. Certains animaux peuvent faire repousser une partie de leur corps qui a été endommagée ou coupée. Comme l'exemple de surtout lézards. Lorsqu'on coupe la queue, et voilà, elles grandissent. C'est vraiment bizarre. L'étoile de mer, voici l'étoile de mer, peut faire repousser un bras, et la 5 bras que vous voyez. L'étoile de mer peut faire repousser un bras qui a été coupé. Si le corps d'un ver de terre est coupé, c'est le corps d'un ver de terre. On a déjà vu comment se déplace un ver de terre.
Vous pouvez accéder à l'autre vidéo si vous voulez. Alors, c'est le corps d'un ver de terre est coupé à la moitié. L'extrémité située en tête peut grandir et devenir la queue. Voilà. C'est bizarre. C'est la queue d'un lézard. C'est la queue d'un lézard. Voici un lézard. Par exemple, c'est la queue d'un lézard. Voici la queue d'un lézard. Et coupée. Et une autre repousse à sa place. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. On continue. Alors, on va changer un peu le sujet. On va discuter sur des plantes. Des plantes. Oui, des plantes. Il y a des animaux, des insectes et des plantes. Les plantes, ce sont parmi les êtres vivants aussi. Les plantes continuent de pousser toute leur vie. C'est tout à fait le contraire des animaux. Les plantes continuent de pousser toute leur vie. Si vous coupez par exemple le bout d'une tige, de nouvelles branches vont pousser sur les côtés. Et voilà. Les bouts des tiges et les feuilles ont des groupes spéciaux de cellules. On va vous expliquer cela après. Qui continuent à se diviser. Les plantes, c'est toujours un peu difficile. C'est pas comme les autres êtres vivants. Les plantes, c'est autre chose. C'est vraiment difficile à vous expliquer en détail. Mais tout de même, il faut avoir une information. Alors, les plantes continuent de pousser toute leur vie. Voilà. Exemple, si vous coupez le bout d'une tige, vous connaissez la tige. De nouvelles branches vont pousser sur les côtés. Alors, les plantes continuent de pousser toute leur vie. Alors, je vous explique maintenant. Les bouts des tiges, les bouts des tiges et les feuilles ont des groupes spéciaux, ce qu'on appelle des cellules. Oui, des cellules. Oui, cellules. C'est une vraiment une unité minuscule. Vraiment trop très petite, qui continue à se diviser, à se diviser. Et une plante pousse à son extrémité. Je vous donne un autre exemple. Retire les feuilles d'une brindille. Tu verras de petits bourgeons, voilà, des petits bourgeons, bourgeons. Des petits bourgeons. Voilà des bourgeons. D'issue. Et chaque bourgeon a un nombre de minuscules de feuilles repliées à l'intérieur. De minuscules, de minuscules, de minuscules, de très petites feuilles repliées à l'intérieur. Et les bourgeons poussent sur la tige. Voici la tige d'une plante. Qui contient les germes d'une feuille ou d'une fleur. Oui, je sais que c'est un peu difficile à vous expliquer en détail. Mais il faut tout simplement avoir une information. Parce que la croissance des plantes, c'est pas comme les autres croissances des êtres vivants. On ne sait déjà, mais il faut avoir de même une information. Les plantes continuent de pousser toute leur vie. Voilà. Concentrez-vous s'il vous plaît sur cette partie. Si vous coupez le bout d'une tige, voici la tige. C'est ce qu'on appelle la tige. C'est ce qu'on appelle la tige. Voilà. Je vais grandir un peu. Voilà. Je vais grandir un peu pour comprendre. Alors, les plantes continuent de pousser toute leur vie. Si vous coupez le bout d'une tige, voici la tige. De nouvelles branches, les branches
De nouvelles branches, voici exemple d'une branche. De nouvelles branches vont pousser sur les côtés. Vont pousser sur le côté. Voilà. C'est ce qu'on appelle les côtés. Voilà. Des côtés. Deux côtés ici. Les bouts des tiges, voici les bouts des tiges. Voici les bouts des tiges. C'est ce qu'on appelle les bouts des tiges. C'est-à-dire à la tête ici. Les bouts des tiges. C'est ici exactement. Hein? C'est ici. Je vais agrandir un peu. Alors, regardons. Voilà. 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 Voilà ce qu'on appelle la tige. Et voilà ce qu'on appelle des fleurs. Ou il y a aussi des feuilles. Des feuilles vertes. Et voici des fleurs rouges. Et la tige. Les bouts des tiges. Et les feuilles, voici les feuilles vertes, ont des groupes spéciaux de cellules. Ça veut dire une petite, une très très petite unité de vie qui continue à se diviser. Une plante pousse à côté, d'autres plantes poussent aussi. Alors une plante pousse à son extrémité. Un autre exemple, retire les feuilles d'une, voici brindille comme exemple, sorte de fleur. Retire les feuilles d'une brindille, tu verras de petites, voilà, tu verras de petits bourgeons dessus. Voici ce qu'on appelle bourgeon. Alors, chaque bourgeon, un nombre de minuscules, de minuscules feuilles, comme cet exemple-là. Regardons s'il vous plaît ici. Voilà, de minuscules feuilles. Repliées, c'est-à-dire à l'intérieur, repliées, c'est-à-dire pliées et repliées. À l'intérieur, ici, exactement, ici, à l'intérieur. Les bourgeons poussent sur la tige d'une plante qui contient les germes, ça veut dire des grains, d'une feuille ou d'une fleur. Vous avez bien compris maintenant? Alors, on discute toujours sur les plantes. On dit, les plantes peuvent aussi pousser sous d'autres formes. Les plantes peuvent aussi pousser sous d'autres formes. Une patate. Voici ce qu'on appelle une patate. Et la partie gonflée de la tige d'une plante. Elle grandit et se développe dans le sol. Pomme de terre. Une patate, ça veut dire une pomme de terre. Une patate est la partie gonflée. Voici une partie gonflée, comme ça. Gonflée. De la tige d'une plante. Il grandit et se développe dans le sol. Il contient beaucoup de nourriture. Il est appelé un tubercule. Un tubercule. Voici des tubercules. Voilà. Tubercule. Une patate a plusieurs yeux. Voici un œil. Voici deux yeux. Trois yeux. Quatre yeux. Cinq yeux. Six yeux, etc. Chaque œil est un bourgeon. Qu'on a déjà expliqué. Oui, un bourgeon, voici un bourgeon. Alors, chaque œil est un bourgeon. La nourriture stockée dans la patate aide le bourgeon à grandir et à se transformer en une nouvelle plante de pomme de terre. Voici un bourgeon en train de se transformer en une nouvelle plante de pomme de terre.
Voici ce qu'on appelle un oignon. Oignon. Un oignon. Un oignon est un bulbe. Il est fait d'épaisses feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Vraiment, beaucoup. Alors, un oignon est un bulbe. Il est fait d'épaisses feuilles qui contiennent de la nourriture. Il y a un bourgeon au centre du bulbe. Voilà, voilà un bourgeon. Au centre du bulbe, le bulbe grandit. Voilà, le bulbe grandit pour devenir une plante d'oignon. C'est ce qu'on appelle les plantes peuvent aussi pousser sous d'autres formes. Vous avez bien compris maintenant. Voilà. Un jardinier peut faire pousser de nouvelles plantes à partir de petits morceaux de tiges. Un jardinier, un homme qui s'occupait du jardin, un jardinier peut faire pousser de nouvelles plantes à partir de petits morceaux de tiges. Ces morceaux de tiges sont appelés de boutures. Les longues tiges de plantes qui poussent près du sol sont appelées des stolons. Ce sont des mots spécifiques. Les nouvelles plantes poussent sur les stolons et leurs racines se développent en bas dans le sol. Alors, les sommets de certains légumes, tels que les carottes, les betteraves et les navets, vont grandir et créer de nouvelles feuilles s'ils sont mis dans un bol contenant de l'eau. Alors, on passe à autre chose, utiliser des plantes et des animaux. On va étudier cette partie de croissance chez les êtres vivants. Utiliser des plantes et des animaux. Les plantes et les animaux sont très utiles pour les humains, pour nous, les êtres humains. Mais comment les animaux sont-ils utiles, les animaux? Le bétail, c'est-à-dire les moutons, les chèvres, les vaches, les bœufs, le bétail en général et les moutons nous donnent de la viande, nous donnent de la viande, de la laine et de la peau. À partir du lait, on peut fabriquer par exemple du beurre, du yaourt. Yaourt, c'est très bon, c'est très très bon. Du yaourt et du fromage. Et du fromage. La volaille, comme l'exemple de la poule, la volaille nous donne de la viande et des œufs. Le poisson nous donne une viande de bonne qualité. Je vous recommande de manger des poissons. L'abeille domestique nous donne du miel. Elle pollinise aussi également les fleurs qui participent à la production des fruits et des graines. Autre côté, comment les plantes sont-elles utiles? Les récoltes du blé, par exemple, nous fournissent des graines. Les plantes à coton, voici du coton, ou à jute, nous donnent des fibres pour fabriquer des habits. Les arbres sont utiles pour construire des maisons et des meubles, comme ici la chaise. Différentes sortes de fruits et de grains proviennent des plantes. Des tiges de plantes et des racines. Regardez, s'il vous plaît. Stockent les animaux que nous consommons, nous, les êtres humains. Certains produits chimiques importants et des médicaments sont aussi extraits des plantes. Voilà. Alors, on termine ici. La population et les besoins alimentaires.
Il faut comprendre cette partie. Comme la population mondiale est en train d'augmenter, la population, ça veut dire les gens. Comme la population mondiale est en train d'augmenter, c'est-à-dire de croître, d'augmenter, augmenter, ça veut dire croître. Donc les besoins en alimentation augmentent aussi, progressivement. Alors, que peuvent faire les scientifiques? Ou que doivent trouver comme solution les scientifiques? Les scientifiques doivent trouver des moyens pour améliorer la qualité des plantes et des animaux pour avoir plus de viande, plus de légumes et plus de fruits. Alors, de nouvelles méthodes de culture intensive et de meilleurs fertilisants pour les animaux vont augmenter la production de l'alimentation et créer de nouvelles ressources utiles. Un contrôle de l'augmentation de la population est nécessaire. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On a bien terminé cette unité croissance et mouvement chez les êtres vivants. Il y a donc deux parties de vidéo enregistrées. Vous pouvez voir et revoir plusieurs fois jusqu'à la maîtrise. Il faut comprendre, il faut atteindre aux objectifs de ces unités, c'est observer que les plantes et les animaux sont des êtres vivants. Il faut comprendre cela. Il y a des mouvements qu'on a déjà vus pour la vidéo précédente et de la croissance. Et de la croissance. Sans oublier bien sûr l'utilité des plantes et des animaux pour nous, les êtres vivants et les êtres humains, et comment les scientifiques doivent trouver des moyens pour améliorer la qualité des plantes et des animaux pour satisfaire les besoins alimentaires de la population qui est en train d'augmenter progressivement. Et les besoins en alimentation augmentent aussi. Ça c'est un problème. Alors, la plupart des élèves me demandent qui est donc l'unité 2, un régime alimentaire équilibré. Pourquoi pas donc? On va discuter sur un régime alimentaire équilibré. On va décrire un régime équilibré et ses effets sur la santé. Alors, attendez, s'il vous plaît, ce dossier patiemment. À très bientôt.